Parmi les organisateurs de cette 8e soupe des chefs, le plaisir de retrouver Cœur Vert avec son emblématique responsable Lionel Petitjean. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors pour vous, je crois que c'est une opération qui dure pratiquement depuis le début. Alors effectivement, on accompagne la soupe des chefs depuis de nombreuses années parce que c'est une très très belle initiative et puis c'est toujours au profit d'une association ligérienne, donc on est très très content de les aider. Alors Cœur Vert, dites-nous un petit peu, on commence à bien le connaître dans le paysage, c'est une belle initiative autour de nos verts chéris. Alors effectivement, c'est une association qui a été créée en 2011, qui est parfaitement intégrée au club de l'AS Saint-Étienne et qui a pour vocation à gérer toutes les manifestations et actions caritatives, sociales, humanitaires qui peuvent se dérouler à travers le club de l'AS Saint-Étienne. Alors le sport, les supporters aussi, ça véhicule des belles choses. Ça correspond aux valeurs qu'on souhaite développer, la solidarité, l'entraide, le don de soi. On avait ce matin une grosse opération autour du don du sang également dans les salons de Jean-François Guichard. Donc... Voilà, dans les salons, ça a bien marché ? Oui, ça s'est très très bien passé. On attend les chiffres officiels qui doivent tomber d'ici quelques minutes. Mais oui, je pense qu'on sera sur les mêmes chiffres que les années précédentes également. Alors vous qui êtes l'animateur de Cœur Vert, au fond, votre rôle c'est un peu le chef d'orchestre, vous recevez probablement des tas de sollicitations, comment vous gérez tout ça ? Alors oui, on a beaucoup de demandes tout au long de l'année. On a mis en place ce qu'on appelle une demande d'accompagnement pour pouvoir juger l'ensemble des dossiers qui nous parviennent exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne veut pas privilégier un dossier qui sera bien construit mais qui sera vide de sens au détriment d'un qui serait peut-être moins bien construit mais qui serait très très intéressant. Donc on a mis en place cette demande d'accompagnement et ça nous permet d'avoir un regard assez linéaire sur l'ensemble des dossiers qui nous parviennent. Alors, les supporters, l'ensemble de la population, puis aussi les joueurs qui s'associent assez régulièrement à ces initiatives que vous prenez ou auxquelles vous êtes partenaire. Dès qu'on peut, on essaye de les mobiliser. Alors, il y a des actions qu'ils peuvent faire sans aucun problème. Le don du sang, par exemple, ils ne peuvent pas pour des raisons qu'on imagine. Mais oui, dès qu'on peut les solliciter, on les sollicite et ça se passe toujours très très bien. Ils répondent toujours présents. Alors, sur la soupe des chefs, votre rôle, c'est essentiellement de la com. Exactement. On a la chance d'avoir des outils de communication avec le site internet et la communauté des fans de l'ASS qui est très très importante. Un chiffre ? Oh, je sais pas exactement, mais on doit être pas loin, je crois, de 7 millions de pages vues sur internet par mois, donc c'est énorme. Et notre rôle, c'est de mettre en lumière toutes ces actions qui peuvent être faites par différentes associations, comme ce soir la soupe des chefs. Pour vous, c'est un bonheur, cette reconversion, entre guillemets ? Ah, c'est complètement différent, mais oui, donner du bonheur aux gens, c'est que positif. Merci Lionel. Merci.